Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Donc aujourd'hui ça va être une journée un peu shopping. Donc je vais pas acheter énormément hein, excusez par contre le bordel qui est derrière. Faut que je range tout aujourd'hui, bref, je vais m'asseoir deux secondes, juste deux secondes parce que je suis assez pressée. Donc aujourd'hui là je vais aller à Truffaut avec une pote pour aller chercher un cochon d'Inde. C'est pas pour moi bien évidemment, c'est pour ma pote. Et comme j'ai 20% à Truffaut, bah autant que je vienne pour qu'elle ait les 20%. Et faut que je lui achète un cactus lapin parce que demain soir elle garde Birdie. Et oui, Birdie, tu vas chez tu sais qui? Et oui, juste pour une petite nuit. Donc là, on va aller à Truffaut. Ça changera un peu de mes habitudes, hein, comme vous constatez. Là, il est actuellement 11h, non, midi moins 10. Et j'ai rendez-vous avec elle à 12h15 à son boulot. Donc il faut que je me dépêche, il faut que je ressorte Birdie un petit coup, comme ça, faire une petite balade vite fait. Et voilà, donc je ne sais pas si je voulais annoncer sur YouTube, mais en gros j'ai décroché mon CDI à Truffaut. Je suis hyper contente, comme quoi le karma est vraiment présent en ce moment. Enfin, j'ai eu un job direct à Truffaut et une semaine après il m'annonce un CDI. Enfin, en plus là où je suis, les CDI c'est tellement mais rare, c'est une fois tous les 6 ans. Et là, je l'ai, il y a une meuf qui se barre. Ouais, bref, je suis trop contente. Donc voilà, ensuite il faut que j'aille à Action acheter plein de conneries, confettis, serpentins, etc. pour cette pote en question là qui va fêter ses 26 ans. Donc il faut que je lui fousse en bordel sa chambre. Au début je voulais faire tout son appart, mais il y a une coloc, donc j'ai pas envie qu'elle subisse ça non plus. Donc je vais lui faire juste sa chambre, je vais foutre en bordel sa chambre, donc je vais pas vous montrer, mais parce que c'est, je pense pas qu'elle voudra, mais ça va être tellement drôle. J'ai foutu des confettis partout, dans ses oreilles, dans sa couette, dans ses tiroirs, dans ses fringues, dans ses culottes, dans ses chaussettes. Oh, ça va être génial. En plus elle finit à 21h le lundi, prendre mon temps pour faire les choses bien. Donc voilà, bref, en gros ça. Après faut que j'aille à Belle Épine me faire rembourser d'un truc et acheter un tout petit truc, et voilà. On y va, Chuc Chuc, on va faire un petit pipi. Oui, allez, on y va, c'est parti. Allez, sinon pour la tenue, j'ai mis un haut qui vient de chez Jennifer. Donc c'est un velours côtelé avec une... j'ai plus de voix. Avec une... vous avez vu, je crois que ça vient de chez Forever 21. Bon, petit achat de cochon d'Inde. Alors, on part sur celui-ci. Trop mignon. Et sur l'autre qui s'est planqué je ne sais où. Je sais pas où elle est. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Dieu. Tu vas les appeler comment? Je sais pas. Moi je dis Jean-Jacques et Albertine. Juste avant de commencer, je voulais vous montrer les produits que j'avais reçus de la part de Clinique. Donc c'est toute une gamme anti-pollution. Donc en fait la pollution ça peut obstruer les pores, augmenter l'apparence des ridules, ça peut aussi entraîner une perte d'élasticité. Donc Clinique a fait cette gamme pour détoxifier la peau. Donc il y a un gel purifiant au charbon, il est génial celui-ci. En fait ça fait genre 3 semaines que je les ai reçus et que je teste au quotidien. Et franchement... oufissime. Ça nettoie en profondeur, ça cible toutes les impuretés au quotidien. Donc moi je fais ça uniquement le soir. C'est au charbon, donc ça contrôle l'excès de sébum, les impuretés, etc. Ça laisse la peau fraîche. Ensuite on a un masque qui fait office aussi de gommage. Alors j'aime bien moi ce 2 en 1, je trouve ça assez assez cool. Donc ça c'est aussi au charbon. Ça fait exactement les mêmes effets que celui-ci, mais ça réduit en plus les pores dilatés. Donc franchement je l'ai utilisé au moins 4-5 fois et vraiment une grosse tuerie. Dommage que le tube ne soit pas plus gros parce qu'il est vraiment bien. Hein. Moi j'ai trop peur à chaque fois d'en mettre trop pour le finir parce qu'il est vraiment super. Et ça il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur, donc ça c'est cool. Parce que je vous mettais juste une petite lichette sur votre visage et vous mettez avec de l'eau et ça mousse super bien, ça nettoie super bien. Donc ça, en tout cas, en niveau quantité, celui-là, il est bien. Par contre, celui-là, j'en vois trop qu'il soit en plus gros parce qu'il est, il est pas mal, celui-ci. Hein. Il y a 100 ml, il coûte 39,50 €. Et celui-ci, il est à 150 ml, il est à 28 €. Ensuite, on a cette gelée hydratante anti-pollution. Alors ça, je l'ai déjà reçue, celle-ci. Je vous avoue que j'ai jamais vu d'effet sur ma peau. Ça je l'ai pas ouvert, je l'ai pas utilisé parce que je l'avais déjà dans mes soins. Donc ça coûte 27,50 €, c'est en 50 ml. Et donc ça hydrate pendant 24 heures, ça renforce et régénère la peau de la pollution. Donc c'est 100% transparent, il n'y a aucune odeur et c'est pas gras. Donc en soi c'est bien, mais moi j'ai pas vu vraiment d'effet sur ma peau. Donc je l'ai laissé comme ça et peut-être que je vous le ferai gagner. Mais j'ai pas vu d'effet, donc voilà. Moi en tout cas mes deux produits chouchous c'est ceux-là. Celui-là après j'ai pas trop kiffé comme je vous ai dit. Mais bon
peut-être c'est pas fait pour ma peau. En tout cas, merci beaucoup à Kling de m'avoir offert cette gamme, parce que franchement, tester les deux produits là, surtout le nettoyant, il est vachement bien. Il nettoie vraiment 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 bien. Et j'ai aussi un code promo, ça vous offre moins 20% des 15 euros d'achat sur tout le site de Clinique avec le code Clinique 123. De toute façon, je vous mets tous les codes en barre d'infos, je vous mets tous les liens en barre d'infos de ce que je vous montre là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Il y a trop de bordel là. Ah non. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. Dès que je... Ah, ça me fera ça dans tous les appartements, c'est un truc de malade. Genre, dès que j'allume le bouton en mode on, des travaux. Merci beaucoup, je vous aime. Alors, on va essayer de cacher le bordel. Ok, ça n'a rien fait. C'est ridicule. Bah écoutez, je peux pas trop faire mieux pour cacher mon bordel. Je suis désolée, hein, mais... Si vous n'avez pas suivi, je viens d'emménager, donc je vous montrerai les vlogs déménagement dans le petit. Et oh mon dieu, les gosses. Les gosses qui vont débarquer. On va vite se dépêcher alors, regarde. Alors je suis allée à Action, donc je suis allée à Truffaut de base. Ma pote elle a acheté des cochons d'Inde pour l'anniversaire de sa pote. Donc voilà, on est allé acheter des cochons d'Inde, c'était génial. C'est fatigué. J'ai acheté des plantes, elles étaient vraiment trop belles les plantes là-bas. Elles sont moins chères qu'à Versailles. Donc genre à Versailles c'est 2,95€, là c'était 2,75€, donc c'est quand même 20 centimes. Mais 20 centimes plus 20 centimes plus 20 centimes, ça fait vite 1€. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Truffaut. Alors à Truffaut, oh là là, mes plantes, j'espère qu'elles sont pas cassées. C'est... Je me suis prise ça, donc comment il s'appelle ça? Des Ilona? Yona? Je sais pas. En tout cas, elle est trop trop belle. Elle est magnifique. C'est une plante qui est assez fragile. Qui de base, en fait, cette plante-là est dans des serres, vous savez, dans les bocaux avec de la mousse, etc. Donc en fait, vous avez juste à acheter la mousse à Truffaut, vous en avez, ou vous avez dans les bois. À Truffaut, c'est 3,95€. Vous achetez ça à 2,75€. Vous achetez un bocal comme ça à Action à 2€. Ça te fait ta serre au lieu de payer ça 20 balles. Bah t'as ça pour pas très cher, donc voilà, j'ai trop kiffé. Et il y a aussi celle-ci qui aussi se met aussi dans des serres. Elle est magnifique, regardez-moi ça, ces détails, j'adore. C'est trop 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 beau, c'est un peu fluo, tu vois, rose fluo. Oh, c'est magnifique, j'aime beaucoup trop. Ensuite, ça c'était bien 2,75€, j'ai pris celle-ci. Donc non, ce n'est pas la même, à chaque fois c'est pas les mêmes, hein, c'est différente. Et j'ai pris en toute petite celle-là pour mettre sur mon frigo, parce qu'elle est trop trop belle. Oh, magnifique, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé le concept génial. Ça m'a fatiguée. Et en fait, ça, c'est vraiment une plante, ça. C'est pas un tuteur ou autre qui fait des petites pousses. Je sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de me cacher. Mais en gros, là, je sais pas si vous voyez, vous avez une petite pousse. En fait, là, ça va faire que des petites pousses. Ça, c'était 3,50€, ça. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. Il faut tester dans la vie. Ensuite j'ai pris ça, c'était aussi 2,75€. C'est vraiment trop mignon. Je sais pas où je vais mettre ça. J'aurais voulu mettre ça sur mon frigo. Enfin je vais voir ce que je peux faire. Mais j'ai acheté des aimants sur AliExpress pour les coller avec de la glu sur des pots que j'avais eu à Action. Et les mettre ensuite sur mon frigo, tu vois. Au lieu d'acheter ça directement à Truffaut. Je vais voir ce que je peux faire tout à l'heure avec ces pots là. Mais aujourd'hui il faut que je change mon appart, c'est une catastrophe. Donc voilà, j'ai pris ça, 2,75€. Je vais buter. Et j'ai pris, elle est trop trop belle cette plante là, c'est une peperomia, elle se présente comme ça, c'est 5€. Donc j'ai pris cette magnifique plante, elle est trop trop belle et en tout cas celle-ci elle dure bien. Ah, la phytomia c'est 2,90€. Voilà, c'est vraiment pas cher du tout. Oh non, il y a un petit bout qui est parti. Déjà, voilà ça pour Truffaut. Ensuite je suis allée à Okabe. Alors à Okabe, de base je déteste ce centre commercial. Il est horrible. Mais c'est le seul qui est proche de chez moi. Dedans il y a un Action. Le Action je l'aime pas du tout. C'est toujours le bordel. Les gens sont toujours... horrible. Ça change de mon Action à Montigny où c'était tout tranquille pépère, tu sais. Là-bas c'est speed, genre tu te bats entre les machins pour avoir ton article. Les gens ils respectent rien du tout. Enfin bref, c'est une catastrophe. Mais bon, j'ai quand même réussi à trouver des pépites. Enfin des pépites, ce que je voulais en tout cas. Et je suis allée aussi à New Yorker. New Yorker c'est une boutique de fringues un peu comme Jennifer, mais un peu plus cheap. Et j'ai essayé des robes et tout là-bas. Les tailles elles sont un peu cheloues parce que j'ai essayé du M. On aurait dit du XXS. C'était super petit. Et j'ai trouvé une petite robe, ma foi, très qualitative. En même temps pour le prix, c'était 30€. Et 30€ pour du New Yorker, c'est assez cher, tu vois, de base. Donc j'ai pris cette petite robe.
Je sais pas si je vous la montrerai portée, mais en gros, elle a des petites manches comme ça. Le décolleté est magnifique. Je sais pas si vous verrez bien. En gros, on a un décolleté avec du tissu comme ça. Et ça se serre à la taille avec... Enfin, pas à la taille, en dessous des seins, tu vois. Ouais, à la taille, ouais, à la taille. Donc ça se serre comme ça et après, ça fait, ça part un peu en évasé. Elle est trop trop belle. Je pense pas que je vous la montrerai en close-up parce que là, la flemme de me changer, je vous le dis. Mais sur Instagram ou dans les vlogs, je vous la montrerai. Elle est trop trop belle. Donc voilà, ça m'a coûté celle-là 30 euros. J'aime beaucoup, la qualité est très 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 jolie. Vraiment, là, j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, à l'action. Ah oui, il faut que j'aille à Undies tout à l'heure. Oh putain, il est quelle heure? Oh, putain, il est 15h déjà. 15h20. J'ai toujours pas mangé. Faut que je me dépêche. J'ai acheté ça, c'est pour mon micro-ondes quand je vais me faire cuire des trucs au four micro-ondes, tu vois. J'en avais pas qui rentrait dans mon micro-ondes et qui permettait de faire de tourner le machin. Je sais pas si vous me comprenez, mais en gros ça tourne pas parce que c'est trop grand. Donc bref, c'est chiant, donc j'ai pris ça, j'espère que ça rentrera. C'était 3,99€ et donc ça contient 1,6 L. Ensuite j'ai pris un tupperware, qui m'en manque de fou. Bah, dans les déménagements, je pense que lui qui a dû en garder. Donc moi je les retrouve pas mes tupperwares. Donc j'ai pris celui-ci. Donc j'en ai pris qu'un seul, 1,42€ je crois. Ensuite je me suis acheté des pinces à lâche parce que Loïc a dû les garder aussi. Donc j'en avais plus, c'était un peu inconvénient. 99 centimes. J'ai acheté ça pour ma pote pour son anniversaire. J'ai acheté ça de la part de papa. J'espère que ça lui fera plaisir. Je sais pas. Alors ça m'a coûté 1,19€. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais pour l'anniversaire de ma pote. Genre j'ai pas trouvé de confetti et tout, alors d'habitude j'en trouve. Ah, rien trouvé. Ça je pense que c'était moins d'1€. C'est des petites guirlandes comme ça là. Voilà, j'en ai pris comme ça pour en foutre un peu partout chez elle. J'ai pris des chiffres 26. Ouais, 26 que je mettrais au niveau de son lit. Donc j'ai pris ça, c'était 1€. J'ai pris ensuite des petits rubans, vous savez, comme ça, là, en mode ouais, crime, machin et tout. Là, il y a marqué party zone. Donc j'en fous partout dans son appart. Ça va être assez drôle. J'ai pris une licorne pour le délire. Je sais que ça va me fatiguer, ça. Ça va être drôle. Bon, j'ai pris une licorne. J'ai pris du papier cadeau. Parce que j'en avais pas. Enfin, j'en avais, mais Loïc les a gardés. Vous connaissez la suite à chaque fois, hein. J'ai acheté des chips pour demain quand... Ah, vous ne savez pas? Bon, je vais pas... Non, je vais pas te dire. Je sais pas si je dis. Bref, il y a quelqu'un qui vient demain. J'ai acheté ça. Donc ça, je l'achète chaque année. J'ai pris basilic, coriandre, thym. J'ai pris ça. Mais je sens que je vais me l'acheter déjà tout fait à Truffaut. C'est 5,95€. Ça me tente de fou, j'ai envie de les mettre dans ma petite jardinière là, tu sais, ma petite serre là. Voilà, j'ai pas envie. Donc j'ai pris ça et je vais les planter dedans. Ah, mais faut que j'achète de la terre. Ouais, mais il y a de la terre. Oh, j'aurais voulu les planter directement, mais je vais les mettre dans les pots, c'est pas grave. J'ai pris ensuite ça, c'était moins d'1€. C'est une fleur de tournesol, je la trouve vraiment trop belle. Et j'aime trop les fleurs de tournesol, sauf que j'en ai jamais réussi à en avoir. Donc j'ai pris ensuite des sacs poubelles 5 litres. Alors moi j'en ai pris les 5 litres parce que pour mon vide ordure, on peut pas faire plus. Moi je déteste les vides ordures de base. Et on peut pas les mettre sa poubelle normalement, tu vois, genre dans une poubelle normale noire. Ils ont que des poubelles jaunes ou poubelles vertes. Donc c'est extrêmement chiant, donc faut que tu passes à chaque fois par les vides ordures. Et je déteste ça. Donc j'ai pris des sacs poubelles, j'en ai pris plein comme ça. 5 litres pour pouvoir les mettre dans le vide ordure parce que sinon c'est un peu galère. J'ai pris ça, j'adore. Je cherchais depuis des mois et des mois ça, vraiment. J'ai acheté le cahier, le classeur, etc. Et je cherchais le truc pour ranger les documents là, de cette couleur là, enfin de ça. Et je l'ai trouvé, j'étais trop contente. Donc il n'y en avait que 3, mais j'en ai pris un parce qu'il m'en manquait un. Voilà pour le premier sac. J'ai ensuite pris de la lessive. Enfin, je pourrais faire une machine. Ça, c'est cool. Donc là, il y a 40 tablettes pour 8,49€. Donc je trouve pas ça cher en soi. Donc moi, je prends de la lessive. Je m'en fous de la lessive, hein, de ce que c'est. Moi, du moment que ça fonctionne, ça nettoie bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Ça m'a fatiguée, ça. J'ai vu ça, je me dis, il me le faut à tout prix. C'est un lama. Il est trop trop beau, c'est une bougie en fait. Enfin, je sais pas si vous verrez bien, c'est une bougie lama. Et vraiment, j'étais trop choquée de le voir ça, c'était trop mignon. 1,89€. Ensuite, j'ai pris ça, ça faisait longtemps que j'en voulais un, hein, mais je ne trouvais pas à prix abordable.
Donc j'ai pris un storage de nourriture pour chien, extrêmement sale, faut que je lave à dons parce que c'est une catastrophe. Pour mettre les croquettes de Birdie parce que j'ai un sac de 12 kilos en fait. J'espère que vous n'entendez pas les gosses parce que ça va me saouler au montage si je les entends. J'ai un sac de 12 kilos de croquettes et c'est chiant à chaque fois de l'ouvrir etc et tout tu vois. Donc j'ai envie de mettre les croquettes à l'intérieur et le reste du sac je le mettrai dans mon placard. Parce que je n'en peux plus de me le trimballer, il est tellement lourd. Donc voilà, je mettrai là-dedans, comme ça, ça sera beaucoup plus pratique. Et ça, c'était 2,95€. Ensuite, je me suis pris ça, donc ça, j'avais déjà acheté, mais je ne sais pas où il est. Enfin, j'en avais acheté un comme ça, mais pas avec les mêmes motifs. Je ne sais pas du tout où il est, il a dû se perdre dans le déménagement. Enfin, en fait, c'est pas moi qui ai rangé, donc je ne sais pas où sont mes affaires. Donc, faut que je les retrouve au fur et à mesure. Mais voilà, j'ai trop kiffé ça pour mettre mes petites plantes. Alors je sais pas du tout ce qui va rentrer dedans. Je pensais mettre... En tout cas ça rentre pas. Mais si on plante, ça peut peut-être rentrer tu vois. Donc je sais pas encore ce que je vais mettre. Enfin un peu con comme ça. Ensuite j'ai repris donc des sacs poubelles. Donc c'est les 5 litres. Et j'ai pris les tout petits aussi comme ça. Au cas où. Et mes derniers articles, j'ai pris des storage box. Pour mettre mes pâtes etc. Parce que là j'ai des petits trucs mais j'ai des pâtes beaucoup plus grandes en fait en hauteur, genre des spaghettis et tout tu vois, et je trouve que ça rentre, j'arrive pas à les enlever comme ça, ça rentrera directement quoi, des spaghettis tout ça. Donc voilà, c'était pas cher, c'était dans les 1€, donc moi j'aime bien. J'en ai pris 2 fois comme ça. Donc voilà, après là faut que je range. Je vous montre tout ça après. Faut que j'aille chez Undies m'acheter des petits trucs que je vais vous aussi vous montrer. Je dois nettoyer en fait l'appart. Et je dois commencer à ranger. Parce que si je fais ça au fur et à mesure de la semaine, tu vois. Je m'organise mal, je sais pas. Dès que je vois un truc, je sais pas où le mettre, bah je le mets d'un côté. Et après bah je range au fur et à mesure, mais j'en mets d'autres aussi de côté. Donc tu sais, ça s'accumule vachement vite et je galère un tout petit peu. Comme vous pouvez le voir, c'est le gros bordel. Voilà. Je suis à bout. Ah non, hein. Pas de travaux, hein. Le bordel, bon alors. Ah, ça va bien ensemble, non? Ah, j'aime bien, on va laisser ça comme ça. Alors, j'ai ça comme pot pour le frigo. Si je mets avec ça, ça fait trop ton sur ton, non? Ah, c'est mignon! Non, j'aime bien, on va laisser ça comme ça. Voilà. Ensuite, ça, je vais le mettre où? Oh là là. Genre ça. En plus ça, hein. Ah quoique. Bon alors j'ai ça comme cache-pot, j'ai ça, ça, j'ai les petits là comme ça, j'ai celui-là qui vient de chez Ikea, j'ai ça qui vient de chez AliExpress, j'ai acheté 2€ sur AliExpress le petit panier, ça ça vient de chez Maison du Monde et ça ça vient de chez Action. Donc comment qu'on fait les enfants? Bon, déjà celui-là il va dedans, j'en ai content, hein, c'est la bonne taille. Hey, c'est la première fois que je trouve une plante qui va dans ce pot. C'est sympa, non? Non? Je sais pas. Là, ça fait trop... Oh, quoi que... Bon. Oh, ça fait pas mal, ça. Ouais, mais ça rappelle un peu trop ce que j'ai, là. Et dans le... Je sais dans le panier ce que ça donne. Ouais, ça, j'ai acheté sur AliExpress. Pour 2€, j'en ai commandé un autre, sauf que comme j'ai changé d'adresse, bah je vais pas la recevoir, donc c'est génial, j'ai payé pour rien. Alors, pas fan, je le trouve trop profond pour cette plante. À part si je mets quelque chose en dessous, je mets ça là-dedans pour l'instant, je pense. Et dès que j'ai un petit pot, je le mettrai, ouais, parce que c'est pas ouf, hein. Ouais, c'est pas ouf. Non, en vrai, tu vois, j'aime plus trop cette plante-là. Je la trouve trop moche. Donc ça, je vais le mettre ailleurs. Et je vais mettre la petite là-bas. Genre, ça fait bien, là, comme ça, non? Inverser les pots. Ouais, c'est mignon, comme ça. Ouais. Putain, je me parle à moi-même, j'adore. Ça va aller dans le petit cœur. Ça fait un peu con, hein. On est bien là, on est bien. Oh là, la vue que vous avez, mon dieu, il faut investir Elisa. Alors, ah zut, c'est mouillé. Ils ont arrosé ces bâtards. Alors, on va essayer de prendre ça. Oh là 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 là. Ouais, si, c'est sympa genre. Ah, il manque de la terre. Après, je travaille ce week-end la Truffaut, donc j'irai m'en prendre de la terre, mais bon. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Et si je retrouve le truc là, le même truc, je le mettrai dedans.
Allez, on va faire ça comme ça. Par contre, ça, je ne sais pas où te mettre, Coco. Hein. Je suis désolée, je sais pas du tout où te mettre. Je vais mettre un aimant directement sur le truc. Bon. Eh bien, tu vas attendre pour l'instant ta place. Voilà, il faut attendre un petit peu. Ouais, parce que là, il n'y a pas de place pour lui non plus, là. Alors, c'est des gros pots. Ah oui, c'est vrai, j'avais ça, là. Là, il y a des bulbes. Bon, j'ai trouvé ça dans un tiroir avec tous ces trucs-là. On peut voir que c'est vraiment le bordel, hein. Alors, celle-là, donc. Là aussi, comme par hasard, ils l'ont bien arrosé ce matin. C'est trop mignon. Ouais, après, il n'y a pas assez de terre, donc dès que j'irai à Truffaut, bah, je m'achèterai de la terre. Parce que là, sinon, c'est un peu galère. Ah, ça rime. Bon. Ah, moi, j'aime bien quand même, là. Je vais essayer de mettre une éponge ou quelque chose. On va essayer de mettre une petite éponge pour surélever le machin. Hey, ça fait mieux là comme ça. Ouais, ça fait bien. J'aime mes idées, bordel, j'adore mes idées. Je vais faire ça, je vais aller chez Andy, je vous montre en rentrant ce que j'ai acheté et je vous montre l'état de l'appart. J'espère qu'il fera pas trop nuit, comme ça vous verrez quelque chose. Et voilà, c'est parti. Je viens de rentrer. Il faut que je vous explique ce qui s'est passé, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer en face cam ce que j'ai acheté. Qu'est-ce que t'as, toi? Mais ma chouque, t'as une étiquette. Il est actuellement 18h05. Je suis dans la merde, faut que je nettoie mon appart, c'est tout le bordel. Bon, je vous montre ce que j'ai acheté. C'est parti. Il y a un petit souci technique là, hein. Je ne vois strictement rien. Bon, vous n'avez pas une lumière de fou, mais bon, on s'en fout, hein. On n'est pas là pour chipoter. Alors, je suis à... Il s'est passé un truc de fou, les gars, faut trop que je vous raconte. Attendez. Ah, mais... Oh, le truc est partout. Oh. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai acheté à Carrefour. Je suis passée à Carrefour pour acheter des fruits et légumes. Enfin, quelques babioles. Et au final, bah, je me suis pris un bouquet de fleurs. Je le trouve trop beau. Il coûte seulement 8 euros. Je l'aime beaucoup trop et je trouve qu'un bouquet, beau bouquet de fleurs comme ça dans une pièce, je trouve que ça fait, tu vois, ça donne un côté joyeux, je sais pas, j'aime trop. Donc je me suis pris un petit bouquet de fleurs. J'ai ensuite acheté de la ciboulette à 2,49€. Alors moi en soi je vais pas en manger, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais genre c'est juste pour faire joli. Genre j'aime trop avoir un espèce de petit potager et tout, tu vois. Et si j'en veux, bah j'en prendrai, mais ça c'est juste pour faire joli. Donc j'en ai pris un comme ça à 2,49€. J'ai pris du basilic. Oh non les gosses, putain. 18h, ah non, y a pas de récré à 18h. Non. Bon, on a compris. Merci. Oh. Donc j'ai pris du basilic, il est vraiment trop beau le basilic, enfin... J'aime trop, il est trop trop beau. À 2,49€ aussi, franchement c'était pas cher d'avoir. Oh, après je sais pas si c'est du bio et tout, mais comme je vous ai dit, c'est juste pour faire joli. Donc je me fatigue. Je me suis pris du romarin. Il est super grand, hein. Franchement 2,49€ aussi, c'est le pot d'un litre. Je sais pas, ça fait un litre, hein, je crois, ouais. Donc je vais mettre ça dans mon petit potager, ça va être trop trop bien. Enfin, vous savez ma petite jardinière là, ma petite... Enfin, vous savez. Et, oh, le Carrefour il est horrible, genre... J'ai jamais vu un Carrefour aussi nul à chier. Oh, après c'est bien pour dépanner, mais bon, c'est pas un hypermarché pour moi, tu vois. Je me suis pris du raisin sans pépin. Pour moi c'est la base, le raisin sans pépin. Je sais pas, j'aime pas le raisin avec pépin. Ça me gonfle, mais ça me gonfle. Donc j'ai pris ça, je sais que c'est pas bien. Plein d'OGM ou je ne sais quoi, mais j'adore ça. Ensuite je me suis pris de la salade à 99 centimes. Et j'ai pris des bananes. Voilà, des bananes. Voilà pour ça. Ensuite, je suis passée chez Undies. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Je me suis pris un body en fait. Il était trop beau. Alors, je sais pas si vous allez bien voir quelque chose. Ouais, je sais pas si vous allez voir quelque chose. J'essaierai de vous trouver une image. Mais en gros, c'est un body en body transparent avec la dentelle comme ça. Et il y a des ficelles dans le dos et tout. Genre, c'est archi beau. Genre, je trouve ça trop trop beau. Ça coûtait 19,99€. Vraiment. Trop beau, j'essaierai de vous mettre une photo pour que vous voyez, mais j'aime beaucoup trop. Donc avant en fait je m'achetais de la lingerie, mais Loïc il voulait pas que je vous la montre. Donc moi maintenant je m'en fous, je vous la montre quoi, tu vois, c'est que la lingerie et... J'aime bien les body parce que pour celles et ceux qui ont... Pas pour celles et ceux, pour les femmes qui ont des formes un peu au niveau des hanches, je trouve que les body c'est les... Enfin c'est mieux, parce que ça te met plus en valeur, ça met plus ta cambrure en valeur que des soutifs culottes, tu vois.
Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, je suis allée à Pinky me faire rembourser d'une jupe que je ne voulais plus. Ça m'a fatiguée, vous allez jamais me croire. Parce que même moi, j'y crois pas. Il y avait une dame qui était en train d'essayer une robe dans la cabine d'essayage. Et la robe lui allait pas du tout. Oh, c'était immonde. Et genre, il y avait... Il y a la meuf, enfin la cliente qui demande à une vendeuse, ouais, est-ce que je pourrais avoir un conseil, est-ce que ça va et tout, c'est pour un mariage, etc. Enfin je sais pas, je me dis, mon dieu, j'espère qu'elle va lui dire que c'est moche parce que oh, ça lui allait pas, la couleur, tout, bref, tout n'allait pas. Et la vendeuse elle lui dit, bah oh ça vous va bien et tout, bon c'est un petit peu serré par là, mais sinon ça vous va bien. J'étais en mode, mais sérieuse, c'est pas possible, arrête de mytho, ça se voit que ça va pas, tu vois. Moi je vais essayer des trucs et tout dans la cabine d'essayage et ça me rongeait, genre j'étais en mode, putain hein, ça lui va pas, elle va pas se trimballer comme ça en mariage, on va se foutre de sa gueule, j'ai des mal pour elle, tu vois. Et je lui fais, non mais madame, moi je vous donne mon avis. Je trouve que la robe ça vous va pas du tout, sans méchanceté et tout, ça vous met pas en valeur, il y a plutôt cette robe là qui vous mettrait plus en valeur avec la couleur, de vos yeux, elle avait les yeux bleus, la robe elle était bleu clair magnifique, genre turquoise pépite magnifique, et je dis ça vous irait un peu plus parce que vous êtes grande, donc enfin bref, je conseille un petit peu, tu vois. Et là je la vois qu'elle essaye la robe, tu vois, et là elle lui a un coup de cœur en mode... C'est celle-là que je veux. Elle commence à me demander si ça allait et tout. Au niveau des bretelles, de la poitrine, si ça allait bien. Dans le dos, c'était joli, etc. J'ai dit, ça, c'est magnifique. Faudra juste reprendre et tout un petit peu au niveau des bretelles parce que c'était un peu long. Il n'y avait pas de... Bref, voilà. Après, elle m'a dit, où est-ce que vous travaillez dans le magasin? Je dis, bah non, je travaille pas dans le magasin. Elle fait, bah, je pense que vous êtes plus compétente que les vendeuses. Elle me dit, bah oui, est-ce que vous pouvez me trouver une tenue et tout pour le mariage que j'ai avec les chaussures, le sac, etc. Mais moi, j'étais en mode, mais elle est sérieuse, je suis en mode, mais j'adore faire ça, j'adore, je kiffe trop ça. Donc j'ai pris sa robe bleue, ensuite j'ai pris une petite veste, j'ai pris un chapeau aussi en paille, genre hyper beau, avec un petit sac et fait un peu berbère, des chaussures, des escarpins magnifiques, genre un peu nude. Oh, elle était belle, j'étais en mode, putain, je suis trop jalouse. Donc j'ai fait en gros une tenue de A à Z, et ensuite elle m'a dit, ouais, est-ce que vous pouvez me donner un peu d'autres idées de robe et tout, pour la soirée, quoi, pour d'autres soirs, etc. Et j'ai fait, bah oui, pas de soucis. Alors je lui montre des robes, etc., que j'avais vu pour moi, tu vois. Et je lui dis, ça pourrait bien vous aller, etc. Et en gros, je suis passée au moins une heure avec elle, hein, vraiment une heure. Et les vendeuses, elles me voyaient faire leur job, tu vois. Et elles étaient en mode, mais sérieux? Et donc, bref, à la fin, elle me remercie et tout. Elle me fait, en tout cas, vous êtes vraiment douée là-dedans et tout. Vous devriez faire ça, etc. Elle me demande ce que je faisais comme études. Elle m'a dit, changez d'études, faites du commerce. En mode, t'inquiète, c'est ce que je vais faire l'année prochaine, je pense. Les vendeuses, elles étaient trop dégoûtées, elles étaient choquées. Elle est passée à la caisse, elle en avait pour plus de 500 euros. Franchement, pour faire du 500 euros à Pinky, j'ai pris des belles pièces, hein, les gars. J'ai pris des manteaux à 55 euros et tout. Genre, elle a pris le même manteau que moi, tu vois. Bref, vraiment, j'ai cartonné. Genre, j'ai trop kiffé faire ça. Une heure, 550 euros, les gars. Moi, je vous le dis, me fatiguée. Et donc, la responsable, elle vient vers moi. Elle me fait, bah, en tout cas, je viens de voir que vous étiez très à l'aise, etc. On cherche une vendeuse à temps plein, etc. Si ça vous intéresse et tout. J'ai dit, ah, non, moi, ça m'intéresse pas du tout. Là, je suis en études, je peux pas du tout. Et je travaille le week-end, donc je pourrais pas. Voilà, je peux pas, quoi. Ah ok, mais on vous propose une carte cadeau d'une valeur de 100 euros pour que vous puissiez vous faire plaisir et tout le magasin pour vous remercier, etc. J'ai dit, ah bah c'est gentil ça. Donc j'avais 100 euros pour me faire plaisir dans le magasin. Et bah cocotte, je me suis fait plaisir. Alors, mon bébé, mes petites mouchouquettes, arrête de faire tes petits yeux. Ce manteau qui me faisait de l'œil depuis un certain moment. Alors il y avait une promotion, c'était deuxième à moins 50. Donc j'ai pris ce manteau là à 55 euros. Il est vraiment trop beau. Genre j'aime trop la matière, j'aime trop... Enfin il est élégant, il est un peu lourd, donc ça fait genre la veste de qualité, tu vois. J'aime bien ça. Donc j'ai pris cette petite veste noire en taille M à 55 euros. J'ai pris ensuite, pour avoir les moins 50 sur ce manteau là aussi, qu'elle a aussi pris la dame, aussi à 55 euros pareil. Un long manteau noir, il m'en fallait un de long manteau noir, tous les miens ils sont trop petits au niveau des épaules, c'est horrible, c'est que du 36, j'étais trop contente de le trouver. Donc ça m'a fait 80 euros en gros les deux. Ensuite je me suis pris un sac que j'ai vraiment kiffé, elle a pris la même chose aussi à la dame, on a toutes les deux kiffé sur ce sac. Donc c'est un peu un rouge, mais un vieux rouge, tu vois. Genre c'est, il est vraiment trop beau, vraiment trop beau, avec un peu un effet d'un.
une petite chaîne qui coûtait 19€ si quitté avec la promotion moins 50. Et pour avoir les moins 50, je me suis pris un sac à dos comme ça. Donc ça, je sais pas si je vais le garder. C'était juste pour avoir ma promo, tu vois, pour avoir mes moins 50. Mais il a coûté 19€ aussi. Donc voilà, enfin après il est mignon tu vois, mais je sais pas trop, on verra bien. Mais en tout cas voilà, je me suis fait vachement plaisir. Donc j'en ai eu pour 10€ je crois. Et en fait elle m'a dit bon bah je vous fais tout cadeau. Donc j'ai eu tout ça gratuitement. Je suis vraiment une ouf genre. Ah mais j'ai trop kiffé faire ça, genre c'est trop mon truc. Genre c'est ce que je faisais à l'époque quand je travaillais dans des boutiques de fringues. Genre les gens ils venaient pour une soirée spéciale et tout tu vois. Et je l'ai relooké de A à Z, il kiffait trop, il venait me voir et tout pour d'autres occasions. Et j'enchaînais les ventes et tout, genre pff, je suis trop faite pour ça. Je le sais en plus, tu vois, au fond de moi, je le sais. Et je me dis mais qu'est-ce que je fous en droit. Mais bon, voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle doit être hyper longue entre le haul action, le haul de ça, le... Oh là 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 là, mon dieu, au montage ça va être une catastrophe, je vais mourir. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous montrerai dans les prochains vlogs ce que ça donne avec l'appart rangé. Enfin, j'espère que je l'aurai rangé. Donc je vais mettre tout ça dans mes petites jardinières, etc. Je vous montrerai ça dans un prochain vlog. Ah oui, j'ai fait aussi ma bibliothèque, mais ça je vous montrerai aussi dans un prochain vlog. Dans un prochain vlog, j'arrive plus à parler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, vous abonner à ma chaîne juste ici si c'est toujours pas fait, je vous mets aussi une ancienne vidéo qui s'exprime juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.